Bonjour à tous, alors je vous présente ici une applique murale. Alors le socle, tout est en métal, ça c'est très bien. J'aime un peu moins le plastique polycarbonate du globe en fait, qui vient se visser par contre sur la lampe, ça c'est pratique, mais qui a tendance à se rayer assez facilement. Donc il faudra y faire attention. Le culot est de type E27, donc dit grosse vis. L'ampoule n'est pas fournie. Ici, au niveau de l'étanchéité, c'est pas mal fait. Vous avez un joint tout le long du bloc, un joint silicone ici, qui fait tout le tour du bloc. Le bloc est maintenu en pression à l'intérieur par les deux vis qui vont passer à travers ces orifices ici et qui seront bloqués de l'autre côté par des écrous-borgnes. Donc a priori, au niveau de l'étanchéité, pour une installation en extérieur, c'est pas mal fait, ça doit être très efficace. Je le trouve plutôt joli. Le montage est vraiment simple avec la base qui s'enlève. Vous fixez d'abord votre base au mur. Vous avez les deux vis et chevilles qui sont fournies pour aller dans ces trous. Et là, on vous indique que le haut est là-haut. Voilà. Et donc, une fois fixé, vous passez vos fils muraux à cet endroit-là. Alors, ça oblige quand même à positionner le bloc à la sortie, au niveau de la sortie du fil. Si vous voulez vous mettre plus loin, c'est un peu plus problématique parce que ça va créer un écart au niveau du boîtier parce qu'il n'y a pas d'emplacement pour faire passer un fil en dessous. Alors ici, vous aurez par contre deux trous à reboucher puisqu'il n'y a que deux vis de fournis. Ça, il faudrait y faire attention.